savoir comment j'ai gagné contre cet ennemi, je vous propose de regarder le duel qui suit, et je parle après du débat que j'ai envie de lancer. Bon, vous pardonnerez mes skills, je commençais juste à jouer avec le berserker, donc j'avais pas un niveau de folie. Voilà, donc c'était pour parler du mode vengeance dans les duels en 1 contre 1 et 2 contre 2. Est-ce que cette feature est vraiment valable pour ces modes-là? Donc je vais essayer de peser le pour et le contre, on va voir ensemble, j'aimerais bien avoir vos avis, vos commentaires, parce que il me semble que c'est un tout petit peu bizarre d'avoir cet aspect-là dans les modes duels, alors que vous devez être censé sur un pied d'égalité, et que ce retournement de situation est plutôt appliqué pour les modes 4 contre 4 quand vous êtes en infériorité numérique, comme ce qu'on va voir ici. Je trouve que c'est une feature qui est excellente, ces modes 4 contre 4, que ce soit en dominion, en match à mort, en élimination, etc. Parce que ça vous permet de résister contre 1, 2, 3 ennemis, vous pouvez vous en sortir, vous êtes quand même faible, et vous, généralement vous allez mourir, mais vous pouvez parfois sauver la mise. Ça c'est très intéressant et ça évite que dans ces modes, à chaque fois 2 ou 3 contre 1, ce soit toujours les mêmes qui gagnent. Cependant, dans les duels, en 1 contre 1 ou 2 contre 2, quand votre ennemi se chope le mode vengeance, tout ça parce qu'il apparaît un tout petit peu plus que vous, et ou alors qu'il apparaît un petit peu plus l'adversaire qui avait avant vous, et ben vous vous retrouvez avec un mec qui pendant 30 secondes est quasiment imbattable. Et ce que vous devez faire, ben c'est simple, c'est fuir, tout simplement. Vous devez fuir le combat. Voilà, c'est ce qui va se passer ici. Voilà, donc là, il est en mode vengeance, donc j'ai plus qu'à esquiver et attendre tranquillement que son mode vengeance se termine. Voilà. Donc là, c'est ce qui va se passer. Il va essayer de m'attaquer. Bon, il a un perso qui est assez lourd, donc pas de bol pour lui. Moi je vais rester à distance et attendre que ce soit fini. Je trouve pas ça très intéressant et je vois pas ce que ça vient faire dans le duel 1 contre 1. Un duel 1 contre 1 ça devrait être... Alors la fatigue par exemple, ah oui la fatigue y a pas de problème. Quand on a trop donné de coups, on est fatigué, l'autre peut en profiter, ça c'est une mécanique qui fonctionne. Mais le mode vengeance n'est pas du tout fait pour ces duels là. Et honnêtement, j'ai beaucoup de mal avec cette mécanique donc je voulais avoir votre sentiment là-dessus. Je vais essayer de me faire l'avocat du diable. Si vous voulez. Il y a aussi le fait qu'effectivement ça donne des retournements de situation dans ces modes-là et ça peut donner des situations hyper stressantes où le mec revient et puis à la dernière minute il a plus son mode vengeance et puis vous l'achevez. Donc, très bien, ça peut donner des trucs sympas. Mais je trouve que ça va contre le design du gameplay de base et ça va contre le design du mode. Voilà. Donc, j'aimerais avoir votre avis. Personnellement, je suis pas pour, mais bon, les goûts et les couleurs, on sait jamais. Voilà, c'était un tout petit débat que je lance sur ma chaîne. N'hésitez pas à donner vos avis, vous abonner et cliquer un petit pouce bleu si ça vous a plu. Moi je vous dis à très vite, c'était Gags, ciao.